Je suis contente de vous retrouver pour une journée de pluie. Donc, on se pose un petit peu. On profite de cette journée pour faire des soupes, des gâteaux, du chocolat chaud, tricoter, crocheter, tout ce qui peut nous réconforter. Et on va se poser un petit peu. Et je voulais tout d'abord, eh bien, souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui viennent de se rajouter sur cette chaîne. Hein. On est de plus en plus. Donc, un gros merci. Merci pour vos commentaires aussi. Et je fais une petite mention spéciale pour vos commentaires la dernière fois, notamment sur mon grand-père, puisque ça m'a touchée énormément. Je vais vous dire que j'ai posté ma vidéo et que mon grand-père n'allait pas très bien. Et en fait, 3 jours après, il est décédé. Donc ça a été, la semaine dernière a été une semaine assez difficile en termes de peine. Maudit cancer, hein. Quand on pense que bon, la personne est âgée, donc on peut pas dire qu'on se fait une raison ou qu'on. Bon, il y a un âge, hein, donc du coup, on se dit, c'est sûr qu'un jour ou l'autre, on va perdre tous nos parents, nos grands-parents, mais c'est la souffrance qui a été le plus dur. C'est parce qu'il a beaucoup souffert. Donc, ça a été vraiment. Ça a été une période creuse la semaine dernière, donc. Merci pour vos messages parce que ça m'a fait du bien et malgré ma peine, eh bien, j'étais contente. J'avais ces petits mots de joie en fait. Voilà. Et j'ai pu lui dire je t'aime avant qu'il parte. Et le truc positif, c'est que je tiens beaucoup de mon grand-père, notamment pour la gourmandise. Donc maintenant, chaque fois que je vais manger une pâte de fruits, chaque bouchée sera sa pensée pour lui. Voilà. Donc. Ça a été dur. Pour vous dire, j'ai rien touché, j'ai rien fait. J'ai tourné en rond, j'ai beaucoup remué les choses, rangé des choses dans la maison, etc. Mais j'ai même pas touché de tricot ni rien. Donc ça a été ouais, c'est une période creuse. Mais je suis là, je reviens, puisque bon, mon grand-père dirait, allez, lui dit, hein, reprends-toi en main, la vie est belle, continue. Je veux dire, il y a plein de choses. Il a eu une belle vie et il a été énormément aimé. Donc, je me dis, voilà, maintenant la joie, ben, faut qu'on la vive pour lui. Alors, je vous reviens quand même parce que j'ai repris depuis quelques jours deux, trois petites choses. Donc je vais vous dire, j'étais notamment précédemment en train de coudre une petite fleur en English paper piecing. Voilà. Oh, je fais une parenthèse pendant que j'y suis. Pour tout le monde. Les nouveaux, les nouvelles. J'ai eu plusieurs commentaires qui me disent que au niveau du son de ma vidéo, soit ils ne m'entendent pas, ça va pas. J'ai fait mes recherches. Alors moi, quand je fais ma vidéo et que je remets la vidéo sur internet ou sur mon ordinateur, etc., j'ai pas de problème de son, j'entends très bien. J'ai essayé sur les ordinateurs de mes enfants, ça marche très bien. J'ai essayé sur téléphone, ça marche très bien aussi. Et j'ai demandé à quelques personnes si elles avaient ce souci. Il s'avère que selon le support sur lequel vous regardez les vidéos, si c'est un téléphone, une tablette ou la télé, etc., le son n'est pas le même. Ça ne dépend vraiment, vraiment pas de moi. Je vous dis, le son, je fais tout ce que je peux pour que j'aie un bon son. Mais vraiment, ça ne dépend pas de moi. Donc, je vous le dis là, si jamais vous avez un problème, que vous ne m'entendez pas bien ou que le son est tout bas, essayez de changer de support. Si vous regardez sur la tablette, essayez sur le téléphone, sur la télé, etc. Enfin, essayez de changer pour voir si ça change quelque chose. Que vraiment, je ne vois pas de quoi ça peut venir. Ça, c'était la parenthèse. Je voulais juste le mentionner. C'est pas de ma faute. Hein. Je m'en excuse, en tous les cas. Donc oui, j'étais en train de vous dire que j'étais en train de coudre cette forme. Vous voyez, j'ai pas tout fait. J'ai juste rattaché deux pétales. Il me reste quelques pétales à coudre ensemble pour un projet. Je vous dévoilerai ce projet au mois de septembre. Mais voilà, donc j'étais en train de faire ça avec un joli petit tissu Liberty. Et ce qui me permet voilà, de vous mentionner, donc c'est ce petit tissu-là qui fait partie d'un abonnement que j'ai qui vient d'Angleterre. Et alors là, je vois tout de suite les clignotants rouges. Oui, maintenant, à partir du 1er juillet de cette année, donc 2021, nous sommes obligés de payer des taxes, des frais de douane quand nous, euh, nous, euh,
que c'était mon fils. Quand nous achetons en Angleterre, notamment, il y a d'autres pays comme la Norvège, les États-Unis, etc., où quand vous commandez, vous payez des frais de douane. Là, c'est la surprise, puisque on s'y attendait pas. Bien sûr, il y a des dates, mais enfin, bon, on n'a pas de publicité pour nous dire attention, vous allez payer des frais de douane, hein. Donc, ce petit abonnement que j'adore, qui est, vous savez, c'est le. En fait, moi, j'ai pris l'abonnement arc-en-ciel. Donc, chaque mois, je reçois 5 ou 6 tissus qui vous donnent un ton arc-en-ciel, en fait. Je ne suis pas sûre de le continuer, puisque tout dépendra des frais de douane. Mais bon, c'est dommage de doubler, voire tripler nos frais quand on commande quelque chose. Ce qui est dommage, puisque, en fait, il n'y a pas d'équivalent en France. Ou ailleurs. Alors après, je parle pas allemand, mon espagnol est très limité, italien. Quand on a les sites, excusez-moi, je perds ma voix depuis une semaine en fait. Donc quand on parle la langue du pays, ça va. Mais quand on ne parle pas allemand, on a des difficultés à avoir accès à des sites. Donc je trouve dommage, parce que bon, l'anglais, c'est quand même général, et c'était plus facile pour moi. Donc c'est un petit peu décevant, puisque du coup, on a du mal à trouver des choses. Pas sûr de commander à chaque fois, quoique des fois, même si vous payez les frais de douane, ça peut valoir le coup, vu que vous ne trouvez pas d'équivalent dans l'Europe précisément. Alors bon, par contre, en ce qui concerne les couvertures, donc vous savez que je suis une très grande fan des couvertures de Attic 24, qui est Lucie, donc Attic 24. Quand vous commandez maintenant sur le site où vous pouvez avoir ces kits tout prêts, vous payez effectivement des frais de douane. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché et j'ai trouvé une boutique en France qui vend. Alors je vais vous montrer, puisque j'ai passé ma petite commande pour. J'ai testé pour vous. Oh, c'était dur, tester. J'ai acheté de la laine Stylecraft. Donc, la laine, je trouve idéale. C'est de l'acrylique pour faire des couvertures. C'est la marque Stylecraft qui est celle-ci. À l'endroit, c'est mieux. Voilà. C'est une pelote de 100 grammes qui est un prix absolument raisonnable, je trouve. Et donc, j'ai trouvé, donc c'est une Française qui a sa boutique qui s'appelle Toudoulaine, qui vend exclusivement des laines de Stylecraft. Et alors, vous avez un choix de coloris impressionnant. Donc, si vous voulez réaliser les couvertures de Lucie, qui est à Tic 24 maintenant, au lieu d'aller acheter le kit, vous allez sur son site, sur son blog, puisqu'elle vous permet d'avoir les. En fait, elle vous donne toujours gratuitement les patrons de ses couvertures. Donc, au lieu d'acheter son kit directement, vous allez sur son blog chercher les patrons de ses couvertures. Elle vous met tout le temps des tutos, c'est super bien expliqué. Et vous allez chercher la liste des coloris qu'elle utilise. Elle met toujours ça très très clairement. Et vous allez en France acheter vos laines Stylecraft. Une pelote de 100 grammes comme ça, c'est 3 euros. Donc, ça vaut vraiment le coup. Attention, ça c'est la spéciale d'Ikea. Vous avez d'autres laines Stylecraft qui sont un peu plus chères. Mais la basique, c'est 3 euros. Hein. C'est dernièrement quand j'ai commandé. Donc j'ai fait ma petite commande de laine et je vous parlerai plus tard de ce projet. Mais je vous montre un petit peu les coloris que j'ai eus. Et je suis allée dans les tons. Oh bah je vais vous montrer. Alors attendez, comment on peut faire? Comment on peut faire? Je vais tout prendre comme ça. Lulu, les gros bras. Allez, Zou, je vais vous prendre ça comme ça. Regardez. Il y a ça. Et en fait, je me suis basée sur les coloris de ma tasse. Qui est une Cat Kidstone, qui est une marque anglaise. Vous voyez les coloris? Voilà. Et ben, j'ai pris les couleurs. Ça sature un peu. Oh, attendez, je vais faire ça parce qu'on a l'impression d'avoir un torticolis après. Les coloris saturent, c'est un petit peu moins orange que ce que vous voyez à l'écran. Pour vrai. Hein. Le rose, il est un petit peu moins violet, mais il est bien rose.
Donc ça, c'est des coloris que j'ai choisi. Alors, toutes ces laines pour faire un sac pour mettre mes couvertures. Quand je crochète mes couvertures, il faudrait un gros sac en crochet pour mettre ça dedans. Et c'est chaleureux et c'est juste joyeux. Donc, je vous ai montré ça. C'est un petit projet que j'ai à faire dans les coloris 4 Kidstone. Ce sera mon sac 4 Kidstone. Et j'en ai profité pour commander, eh bien, une laine que j'ai jamais essayé. Hein, donc, je ne peux pas vous dire. C'est la Batik Swirl qui change de coloris au fur et à mesure. C'est le coloris Edge Row. Edge Row, c'est pour vous donner une idée, ce sont les fleurs de bas-côté. Les fleurs de fossé, de bord de champ, tout ce qui est le rang des... sur les rangs de campagne, vous avez les fleurs sauvages. Ben, c'est ça. C'est ce ton de coloris. Donc, vous avez 550 mètres, si je ne me trompe pas, oui, 550 mètres pour 200 grammes, ce qui vous permet de faire un châle. Et vous avez même un patron à aller chercher gratuitement si vous voulez. Donc, ça, c'est pratique. Donc, voilà, ça, c'est chez Toudou Laine. Donc, c'est en France, donc pas de panique. Au moins, on peut trouver cette laine ici sans avoir à payer de frais de douane et à des prix tout à fait raisonnables. Et ça arrive très, très vite. Et en plus, c'est super. Donc, ça soutient un petit commerce et je suis très contente. Donc ça c'est un dernier achat que j'ai fait. Je vais vous faire un point sur mon bonnet, puisque j'ai fait aussi un achat en lien avec ce bonnet. Donc on va faire un petit point sur le Simple Pleasures Hat, dont je vous ai parlé la dernière fois. Et j'ai fini toute la bordure de côte. Hop, voilà. Donc j'ai fini toute la bordure de côte. C'est assez long, hein, c'est 15 cm de côte. Dans cette belle laine de West Yorkshire Spinner, qui est très très jolie, qui est brillante. J'aime beaucoup ce ton un peu pêche caramélisée, là, c'est vraiment très très chouette. Donc, j'ai fait les côtes en ces côtes de 2, donc ce patron, il est gratuit sur Pearlsoho. Hein. Si vous allez voir ma dernière carte postale, vous avez tous les liens pour y aller. Vous avez même l'article de blog. Et vous voyez, j'ai commencé la partie en mohair. Donc quand on a fini de tricoter avec nos deux fils en fingering pour les côtes, on lâche un des fils et on prend le fil de mohair qu'on rajoute avec notre fingering et en fait on tricote le haut du bonnet. Donc ça monte assez vite. Bon, les côtes c'est long quand même, hein. J'avoue que les côtes c'est long, mais vous voyez, donc là les côtes normalement sont repliées. Pas très jojo à voir comme ça, toutes décoiffées. Donc ça va faire vraiment le bonnet épais, mais moi j'aurais mieux aimé, je vous le dis, j'aurais mieux aimé les côtes longues. Enfin bon, bref, c'est pas grave, il est très très chouette. Il est très très chouette comme bonnet à faire, très agréable. En plus, c'est un patron gratuit, donc on va pas se plaindre. Hein. Voilà, mais avec le mohair, ça rend très bien. Je sais pas si vous avez le... Si vous voyez bien, c'est peut-être un peu flou. Alors, je m'excuse parce que la lumière aujourd'hui, j'ai rajouté des lumières. Mais ah, voilà, ouais, vous voyez bien. Il est très, très chouette. J'aime beaucoup, je vais faire la réflexion, mais j'aime beaucoup ce mohair de Rowan que j'ai. C'est de la Kid Silk Haze. Voilà. J'en suis assez contente. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai, dans les mêmes tons, j'avais pris de la Drops. Et quand j'ai tricoté mon pull pêche, on voyait vraiment la différence de ton. Ici, vous voyez bien que le mohair, il est plus pâle que la laine de base. C'est pas la même marque. Et quand j'ai pris chez Drops pour mon pull, je vais vous montrer. Vous allez voir la différence. On voit le mohair. Et hey, ça, c'est mon panier de l'été. Il est rempli. Je vous montre pas, hein, je vous ferai la surprise à la fin de l'été. Mais je vais juste vous montrer le pull, ce que ça donne. Vous voyez la différence de ton? Vous voyez le mohair. C'est très beau, ça ne me dérange pas du tout. Mais vous voyez le mohair. Vous voyez les points un peu plus pâles. Alors que si... Hop, je remets ça. Si je vous montre ici, ben vous le voyez très peu. C'est très léger. Donc le mohair se font très très bien dans la laine. Franchement, j'en suis hyper contente. Le Rowan, là, c'est... bon, elle est un peu plus... un peu plus rêche que la Drops,
mais j'en suis assez satisfaite quand même. Donc on va pas se plaindre. Donc voilà, ça monte, le petit bonnet monte. Et j'aime tellement, tellement le faire que j'avais envie d'un bonnet jaune. Je vous l'avais dit la dernière fois, je crois. Et du coup, je vais me monter. Moi, je vais prendre de l'avance pour les côtes. Je vais me le monter dans une laine. Alors, c'est ma copine Stéphanie que je salue. Je t'envoie des bisous, ma Stéphanie. Qui m'avait parlé de cette laine de chez Stéphane et Pénélope. Et ça faisait longtemps que j'avais envie d'en commander. Et du coup, ben, je me suis dit, c'est l'occasion. Donc voilà, j'ai pris la laine. Excusez, on dirait que je suis allée dans le vent. J'ai pris la bicycle et la couleur glow. Alors encore une fois, c'est pas orange, c'est moutarde. C'est pas du tout la couleur que je voulais au départ. J'aurais dû prendre citroën. Si vous voulez un jaune plus pétant, il faut prendre citroën. Ça tire plus sur le moutarde. Donc juste bon à savoir. Mais pour les côtes, ça va être sympa. Parce que après le bonnet, j'ai pris de la marque Knitting for Olive. Et c'est un jaune un peu plus pâle. Donc j'ose espérer que ça éclaircisse un petit peu ma laine au niveau du bonnet. Ça va être très sympa. J'ai hâte de voir comment ce coup-ci le mohair va se fondre dans la laine. Mais j'avais envie d'un bonnet jaune, j'avais envie de soleil, de tournesol. Donc on verra pour cet hiver. Vous verrez un gros tournesol se promener. Ce ne sera pas un tournesol, ce sera moi. Se promener en montagne, ce sera moi. Donc ce bonnet qui est vraiment très très sympa à faire. Je vais vous parler aussi de ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc c'est ce petit patron de chaussettes que j'avais décidé de faire pour les vacances. Donc le Fox Gloves de Jules, qui est So Sweet Violet, qui est une anglaise qui a un podcast et que j'adore, parce que c'est hyper reposant, on a plein de trucs, elle vous en met toujours plein la vue avec ses projets, donc j'adore. Et j'ai acheté son patron que je fais dans cette laine que j'avais teinte il y a un petit moment déjà, puisque je me dis, bah, ça ressemble pas mal aux teintes qu'on retrouve dans les digitales. Le Foxglove, c'est les digitales. Et donc, je vais vous montrer un petit peu le motif que ça donne. Et je vais vous montrer. Hop, je me suis remis des petites protections pour mes aiguilles. Parce que comme ça évite que mon tricot se sauve. Puisque là, vous voyez où les aiguilles. Que là, je tricote avec 4 aiguilles. Donc, est-ce que vous voyez bien? Hop, oui, le motif. Vous voyez ici, ça fait des petites clochettes. Tac, 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 tac. Je ne sais pas si en mettant ma main dedans, je ne veux pas l'échapper, hein. On voit les petites clochettes, ça forme des petites clochettes. C'est ça, c'est les petites digitales qui sont de chaque côté. Donc au centre, vous avez la partie à l'envers et puis vous avez le point de digital. Et derrière, c'est du jersey tout simple, hein, tout le reste. Donc voilà, le montage qui est un petit peu en forme de bonnet en haut, c'est intéressant. Un petit peu arrondi. Je ne suis pas sûre de l'avoir bien bien réussi pour la première chaussette. C'est la première fois que je fais cette pointe arrondie. On dirait une cible. Mais c'est très sympa. Franchement, ça change. Donc je l'avance de temps en temps. Je l'avance de temps en temps. Mais voilà, c'est un petit patron de chaussette que je réalise. J'ai choisi de faire la taille. Donc elle préconise des aiguilles 2 et 2, 2,25. Et moi je fais en 2,5. Je trouve que 2,25 c'est vraiment trop serré, trop petit. Et je prends la taille. Je prends la taille quoi moi? J'ai décidé quoi? La taille médium. Je prends la taille médium et je suis à l'aise. Hein. C'est pas trop large, pas trop serré, mais c'est juste. Hein. Enfin, c'est. Pour un 38, moi je fais un 38 au pied. Ça correspond à du 7,5 pour l'Amérique du Nord. Avec un 7,5, la taille médium, vous êtes à l'aise. Vous n'êtes pas serré, ça ne tire pas sur votre chaussette. Voilà. Donc c'est pas mal, c'est un petit tricot que je fais en ce moment là, tranquille, parmi d'autres projets. Puis c'est pas mal tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. De toute façon, je vous reviendrai. Oh, et je vais vous montrer où j'en suis au niveau de ma broderie.
qui est dans un de mes sacs préférés avec les petits oiseaux. Cette broderie, je vous l'avais présentée déjà plusieurs fois. Là, je l'achève, mais je vais juste vous dire si vous êtes intéressé par le patron. Donc, sachez que c'est ce patron. Voilà, Stitcher's Garden, qui est absolument magnifique. Sachez que quand vous le faites, donc vous avez, moi j'ai pris les fils qu'elle recommandait, qui sont de la marque. J'ai perdu ma mémoire. Wix Dye Works, qui est cette marque-ci. Voilà. Vous voyez, il y a des jolis coloris. Hop. Mais sachez que voilà, elle vous donne une liste de fils et en fait, je me suis faite un peu avoir. C'est-à-dire que je manque de fils ici. J'ai utilisé vraiment tous les chevaux. Donc, je suis obligée de... Enfin, j'ai repassé une petite commande. Donc, ça a été l'occasion de passer une commande. Mais voilà, j'étais à court de fil. Je n'ai pas prévu de passer de commande. Mais bon, bah voilà, tant qu'à y être. Du coup, j'attends. Maintenant, je suis coincée. Je ne peux plus l'avancer. Et je ne veux pas prendre d'équivalent ailleurs. Parce que, en fait, les fils de Wix Dye Works sont avec des dégradés, des nuances. Ben, on le voit bien dans le rose. Ou dans le rouge même. Regardez. Vous voyez qu'il y a des nuances. On le voit notamment. Je vais vous montrer ça plus précisément. Regardez celui-ci. Vous voyez bien que c'est pas égal comme couleur. Voilà. Voilà. C'est pas égal. Pas, tu veux pas le montrer là comme ça? Non, il veut pas. Bon, bref, vous voyez que c'est pas égal, donc je peux pas prendre un équivalent chez DMC. Puisque si je regarde un petit peu dans les mêmes tons ocre de chez DMC, j'aurais pas ce, voyez, ce dégradé de couleur. Ça va faire un bloc, ce serait dommage de le gâcher. Donc j'ai dû recommander du fil. Bon, bah, de toute façon, c'est jamais perdu. Puisque c'est un fil qui est quand même souvent utilisé. Mais voilà, du coup, bah, je suis bloquée. Je pensais le finir. Et je suis bloquée, donc j'attends ma commande. J'ouvrirai ça avec vous prochainement. Mais en tous les cas, il est vraiment très sympa. Hein. Mon arrière, mon devant, il est vraiment très très sympa. J'aime beaucoup le rendu. Voilà. C'est pas mal. Donc ça, c'est ma petite avancée broderie. Et je suis coincée, donc bon, on va attendre. C'est pas comme si on avait rien d'autre à faire, mais voilà. Donc ça, c'est la petite pause jasette des projets en cours.
J'ai clairement beaucoup trop d'œufs. Donc là, il est temps pour faire un petit gâteau. Quand je suis débordée par les œufs, en général, je fais un biscuit de Savoie. Parce que ça prend pas mal d'œufs. Et puis, vous pouvez doubler la recette, etc. Vous faites ça dans un grand moule. Donc, c'est quand même super pratique. Donc, je vais faire ça. Un petit peu de rangement. Je ne sais pas si vous voyez ici, mais c'est un peu le chantier. J'ai tout mis dans les bacs. Parce que on a commencé les travaux du salon, qui est juste à côté de la cuisine. Un jour, je vous ferai faire le tour de la maison. Quand ce sera moins le chantier avec tous les travaux. Mais... Donc là, on a commencé les travaux dans le salon. Et du coup, j'ai dû déplacer des choses. Ici, notamment des choses, vous savez, en général, la belle vaisselle, les choses comme ça qu'on met dans une belle armoire. Donc l'armoire est dans le salon. Et en attendant, bon, pour la bouger et tout, pour faire, parce qu'il faut refaire les murs, l'électricité, le plafond, tout. En fait, dans cette maison, il n'y avait rien. Hein, donc. Il y avait juste les murs, tout le reste n'était pas très, c'était plus aux normes. Donc on a dû déplacer, alors c'est un peu le chantier, donc j'ai tout casé là. Mais bon, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'abord le gâteau, un petit thé, et puis je vous montre un petit peu sur quoi j'ai avancé ces derniers jours, et puis mes petites choses que je vais recevoir aujourd'hui. Je pourrais pas vous donner les mesures exactes pour mon biscuit de Savoie parce que je le fais au pif. Parce que en fait c'est ni plus ni moins qu'une grosse génoise, hein, en quelque sorte, facile. Une génoise facile. Donc en fait ce qu'il faut faire c'est battre les jaunes d'œufs avec le sucre, ajouter un peu de farine, ajouter un peu de blanc en neige, remettre de la farine et remettre les blancs en neige et puis ça vous fait une espèce de... Ouais, chinoise particulière quand même, mais moelleuse et un petit peu. Moi, je mets du sucre autour, c'est-à-dire que dans mon moule, vous allez voir, je vais le beurrer puis je vais mettre un peu de sucre en poudre, ça va lui donner un petit croquant juste en dessous. Ça caramélise pas, mais ça laisse juste les petits grains de sucre, c'est trop trop bon. Donc, je peux pas vous donner la recette parce que c'est du pif, mais il y a certainement sur internet des recettes de biscuits de Savoie qui sont certainement mieux expliquées et certainement bien dosées. Donc voilà, j'ai une poule qui fait. En fait, j'ai 4 poules. Donc normalement 4 œufs par jour, mais en ce moment j'ai depuis un bout de temps 3 œufs. J'ai une poule qui fait des œufs très 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 fins. Il n'y a rien à faire. On a essayé, on lui donne des vitamines. On sait pas c'est laquelle, hein. Donc on leur a donné des compléments, on leur donne des vitamines. C'est des poules qui sont élevées en plein air. Elles sont dehors toute la journée. Elles vadrouillent dans le jardin. Elles mangent tout ce qu'elles veulent. Bon, pas de potager, hein, parce que je vous dis que mettez une zucchini, une courgette. Juste sous le regard des poules, vous n'avez plus rien, c'est clair. Elle mange sa crue, clac, 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 il n'y a plus rien. Mais je suis étonnée parce que j'ai des grosses citrouilles. Non, pas des citrouilles, des grosses courgettes rondes, mais vraiment des grosses. Je ne sais pas ce que c'est, j'arrive pas à trouver le nom. Bref, si vous savez, dites-le moi. C'est des grosses courgettes rondes. Il y a les petites qu'on peut faire, mais celles-là, elles grossissent rondes d'un coup. Donc, il y en a 4 sur le pied. Et là, elles sont, en fait, c'est des graines qu'on poussait comme ça sur le composteur. Et bon, bref, je me retrouve au pied du composteur avec un gros pied de citrouille, de courge.
Mais je suis étonnée parce que les poules passent à côté et elles n'y touchent pas. Donc le fait peut-être que ce soit sur le pied. Enfin, j'ai un doute, hein, je ne prendrai pas de chance avec les courges du jardin directement du potager parce que alors là, ah non, 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 je ne prendrai pas de risque. Enfin bref. Donc il y en a une qui fait des œufs avec une coquille extra, extra fine. Donc c'est dur à, à récupérer les œufs quand on fait des. On sépare les blancs des jaunes. Bon bref, c'est pas évident. Voilà. Bon. En tous les cas, je vous dis que cette année, cet été. Ah, je secoue un peu trop la table. Cet été, c'est un petit peu loin de ce que je m'étais imaginé pour cet été. C'est-à-dire que la maison, elle est sans arrêt sans dessus dessous. On n'arrête pas de trier des cartons. On a vidé des cartons de déménagement de il y a 3 ans, quoi. Je veux dire, qui étaient dans le garage et qui attendaient. Et finalement, on se rend compte qu'on a beaucoup de choses pour rien. Voilà, les magazines, des bouquins, des jeux, des gamelles qu'on utilise pratiquement pas. Enfin, c'est là qu'on se rend compte qu'on accumule beaucoup de choses. Donc, on a fait un bon tri, ça a fait du bien. Il reste encore beaucoup de choses à ranger. Et puis, vous savez, quand on fait les travaux, pièce par pièce, puisque dans cette maison, il n'y avait pas rien du tout, ben, il faut jouer au Tetris. C'est-à-dire que vous déplacez d'un bord pour mettre de l'autre bord. Et puis ainsi de suite, bah, voilà. Donc quand vous avez fini une pièce qui est, bah, par exemple cette pièce, la cuisine est impeccable, on a fini, là on a posé la porte d'atelier, on se dit bon ça y est, c'est propre. Ben non, on déplace tout le chantier d'à côté, on le case où on peut. Bah, c'est la vraie vie, hein. Et puis on n'est pas dans un magazine déco, on vit dans la vraie vie, alors des fois il y a du chantier, on s'en moque. La poussière n'a toujours qu'une seule couche. Hein, vous ne voyez pas les couches s'accumuler. Bon, au bout d'un moment quand même, oui. Mais voilà, on va pas non plus capoter avec ça. Hein. Donc voilà. Sinon, ben, cette année, je trouve quand même que ça a été quand même plus facile pour le jardin. Dans la mesure où il n'y a pas eu beaucoup à arroser, vu qu'il y a beaucoup plu. La seule chose que je trouve, c'est que ça tourne vite à l'automne. Je sais pas vous dans votre coin, mais enfin avec toutes les personnes avec lesquelles je parle, ça tourne vite à l'automne. On a de la chance ici, on a encore du soleil, mais il fait frais. On sent que, je sais pas, on est début août quoi, et on sent que le fond de l'air, on dirait que ça comme tourner, et c'est plus frais, et le matin c'est plus sombre, alors qu'on est qu'au mois d'août. On est début août, et là on se croirait le 25 août quoi, on se croirait à la veille de la rentrée. Alors pour moi, il y a les gars qui se sont trompés hein, dans les saisons. Cette année, il y en a un qui a appuyé sur le mauvais bouton. Mais, oh là là, ça fait drôle. Mais en même temps, moi, j'aime bien. Oh, on voit les citrouilles qui sont tout oranges. Là, ça, ouh, ça donne. Je me suis même habillée en orange, vous voyez. Oh, puis je me suis acheté. Je montre, je viens de le recevoir. Je me suis acheté un foulard pour l'automne. Oh, j'adore les foulards. Oh, non, mais. Oh là 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 là. C'est juste de saison, quoi. Voilà. Donc, je trouve que c'est juste parfait. Ça, les petits tricots, on va bien se. Ça va être chaleureux cet automne. J'ai hâte. J'ai hâte aux choses d'automne. Finalement, moi, je trouve que c'est bien quand on cuisine, par exemple, 2 saisons. Bah, c'est bien parce qu'on a le plaisir à retrouver les choses de la saison. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Et j'ai hâte. Là, j'ai beaucoup de citrouilles. C'est une année de citrouilles, hein. Je ne sais pas chez vous, hein, mais ici, c'est une année de courgettes et de citrouilles. C'est incroyable. Je crois que j'en ai jamais eu d'aussi belles. J'arrive plus à parler. J'en ai jamais eu d'aussi belles. Enfin, elles sont vraiment. J'ai des potirons, des crocs. Et j'ai aussi les potimarrons, les petits, là, qui ont un petit goût de noisette. Ça, vraiment, je suis surprise. Les concombres, c'est pareil. Je ratais toujours les concombres, mais rien à faire. Par contre, je n'ai pas eu de tomates. Hein, tomates, petits pois, j'en ai eu quand même 2 fournées. Les haricots, alors là, les haricots, parlons-en. Les haricots verts, très bien. 2-3 fournées. Les haricots violets, très bien. 2 fournées. Mais après, oh, mais j'ai jamais vu ça, quoi. Les pucerons se sont mis sur les haricots. Pas sur les fleurs, pas sur les feuilles, non. Carrément sur les haricots. Ils ont pompé tout le haricot, quoi. Je veux dire, on arrivait, il n'y avait resté plus rien du haricot. C'était impressionnant. Donc, bah, du coup, on les a laissés aller parce que ça a protégé les autres plantes. Donc, tant pis pour les haricots violets. Il y en a qui sont. J'ai vu qu'il y a des rescapés.
Ils sont tellement gros, je vais pouvoir récupérer les graines. Donc, mais voilà quoi, c'est décevant parce qu'on se dit mince, on plante ça et puis on pouvait même pas. Oh, c'était dégoûtant, on pouvait même pas les cueillir. On prenait les haricots, ça c'était tout collant. On avait comme du jus, l'espèce de jus, berk. Donc voilà, c'était pas terrible. Et on a essayé d'en cueillir et puis de les laver avec ma fille. On essayait, on les a lavés et tout, mais ils étaient pas beaux les haricots. Donc on n'a pas pris de chance. On s'est dit, ah non, 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 on n'aime pas manger ça, c'est pas terrible quand même. Hein? Bon, la viande avec, je veux bien, mais pas les cuisserons, faut pas exagérer quand même. Donc voilà. Sinon, parlons création. Alors, création, réalisation, j'ai pas pu faire autant que j'aurais voulu. Hein, quand je vous ai annoncé, je vais faire ci, je vais faire ça, mon panier, bon, mon panier, il se remplit quand même, mon panier d'été. J'ai réussi à faire des petites choses. J'ai des petits projets, surprises, qui se sont rajoutés. J'ai une amie qui m'a envoyé un patron, ma cousine de création. On se connaît depuis des années, Elisabeth et moi. Et ben j'ai passé en priorité cette petite poupée que j'ai hâte de vous présenter, que vous avez vu des petites parties passer dans ma carte postale. Mais en tous les cas, qu'est-ce que c'est chouette ce patron. C'est un patron de Lucienne Compotine. Et vraiment, j'adore quoi. Le niveau de construction, la façon de le faire, excusez, la façon de le faire, la façon de le. Oh, laissez-moi prendre une gorgée de thé parce que j'ai la bouche sèche, c'est pas possible. Je suis assortie. C'est le cas de Kidstone, je suis assortie. Ah, ça va mieux. Oui, donc la façon de construire ces poupées, déjà le patron est hyper bien expliqué. Donc déjà, vous avez toutes les photos, les explications, c'est tout bien encadré. Je trouve ça formidable. Et en plus, la forme de construction est juste brillante. Il y a extrêmement peu, pour ainsi dire, pas de couture. Peu, quand même, parce que bon, il faut bien attacher. Par exemple, faut attacher les bras. Mais pour le reste, waouh, c'est super, super bien fait. Donc voilà, c'est le petit projet qui est passé avant tous les autres. Et j'en suis ravie. Mais il y aura d'autres projets. Alors c'est sûr que je vais vous montrer pas mal de petites choses dans le gros podcast à la fin de l'été. Là, c'est juste la carte postale. Et c'est la dernière carte postale de l'été, hein, je vous le dis. C'est la dernière carte postale parce que après, je vous ferai le gros podcast avec tout ce que j'ai fait, tout ce qui a abouti finalement de cet été. Parce que vous avez vu que dans mes cartes postales, je vous ai montré des projets, mais je vous ai pas montré les trucs tout finis. Quand même, je vous en réserve, hein. Et puis voilà. Donc du coup, qu'est-ce que je disais? C'est la carte postale et je vous ferai un podcast à la fin du mois. Donc il y a pas mal de petites choses qui ont été faites, mais aussi vous verrez, il y a des choses qui ont été plus ralenties parce que j'ai un projet que je vous dévoilerai en septembre parce que je veux vraiment vraiment vous présenter bien beau un beau projet dans lequel vous allez pouvoir vous aussi vous lancer. Et j'ai envie que voilà que ça soit un partage et de la création encore et de vous donner encore plus d'envie de vous lancer dans ce style de projet. Voilà, donc là je ne vous en dis pas plus, je vous garde la surprise. Mais voilà, je travaille dessus puis je peux vous dire que ça va mixer tout, ou presque. Donc ça va mixer de la couture, ça va mixer de la peinture, enfin de l'aquarelle. Ça va mixer du jardin de grand-mère, le English Paper Piecing. Ça va mixer la broderie. On va y ajouter du scrapbooking. Et on va faire de... je ne veux pas vous dire le dernier, mais en tous les cas, on va faire du crochet. Voilà, on va se faire tout un monde autour d'un projet. Et j'espère que ça va vous plaire. En tous les cas, vous savez, c'est un projet que... Enfin, ça reste dans mon univers, hein, de toute façon. Donc voilà. Mais j'espère que je vous ai bien donné l'eau à la bouche pour revenir en septembre. Après la rentrée, hein, on laissera passer la rentrée. Et puis, en tout cas, nous, on se retrouve sur fin août. Bon, je vais me laver les mains parce que j'ai les mains un peu grasses avec le beurre.
et je vous jase encore de tout ça. Alors, une fois que j'ai beurré mon moule, vous voyez, je vais y mettre un petit peu de sucre en poudre dans le fond. Puis je vais bien le tasser pour essayer. C'est les allergies à l'ambroisie en ce moment. Et je suis allergique à l'ambroisie. Et en fait, j'ai toujours la gorge. Donc voilà, vous voyez, ça va juste tapisser mon moule. Et en fait, quand le gâteau va cuire, ça va, le sucre va rester, ça va faire des petits grains de sucre juste en dessous. C'est hyper pratique pour le démouler parce que ça colle pas du coup. Et c'est juste bien. Voilà. Ouais, donc du coup, les projets, bah, j'ai passé un projet, ce petit projet secret un petit peu. Et puis, du coup, bah voilà, j'ai eu l'idée, ça m'est venu dans l'été. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un truc comme ça, mais fallait que je me lance, fallait que je. J'ai fait le point aussi avec mes idées et puis c'était bien. Voilà. Bon bah écoutez, hein, moi je vais mettre ça au four. J'aime bien jaser un petit peu avec vous, ça change de dynamique un petit peu. Donc je vais mettre ça au four et puis bah, je vous fais un petit unboxing. J'ai reçu, je sais pas où je vais. Ah là, j'ai reçu aujourd'hui des choses de Casa Cennina. Donc bah, je vous montre ça tout de suite. Après être allée au four. Bon, alors je vais ouvrir avec vous un paquet que j'ai reçu de Casa Cennina. Une compagnie de. Comme ça c'est mieux. Une compagnie qui fait tout ce qui est point de croix, patchwork et tout. Et c'est basé en Italie. Ce que j'aime de cette compagnie-là, c'est qu'elle permet d'avoir des patrons que vous ne trouvez pas ailleurs. Notamment des patrons américains. Je trouve que c'est chouette puisqu'elle vous donne l'accès avec toutes les sortes de fils. Vous voyez, j'avais commandé des fils en France et il manquait des références. Eux les avaient, donc ça c'était bien. Donc j'ai passé ma petite commande parce que à la base, il me manquait ce fil que j'avais pour ma broderie. Il me restait juste le cadre à finir et il m'en manquait un petit peu. Genre, il me manquait même qu'un fil, mais enfin, j'ai pas eu le choix puisque, comme je vous disais, il y a un petit dégradé dans le fil. Là, on peut le voir. Il y a un petit dégradé dans le fil, ce qui fait que c'est un peu particulier. On peut pas prendre autre chose. Et du coup, j'en ai profité, puisque tant qu'à payer les frais de port, j'en ai profité pour passer commande pour deux choses. Premièrement, j'ai commandé ce patron. Alors, vous voyez ici, il s'agit d'une petite maison avec la petite date, les initiales ici, la petite clé, le petit cœur. Et c'est une maison que vous pouvez adapter, c'est-à-dire vous pouvez changer la date. Et moi, je pensais que ce serait sympa de mettre la date à laquelle on a acheté notre maison et de mettre les initiales de notre famille. C'est vraiment le côté que j'aime à personnaliser cette broderie, ce point de croix. Voilà, donc il y a ça. Et l'avantage de Casa Cennina, c'est que quand vous allez voir un produit, ils vous mettent la quantité, enfin les fils, le matériel dont vous allez avoir besoin pour réaliser cette broderie. Ça, c'est chouette. J'ai pas vu ça ailleurs. Ou peut-être j'ai vraiment tout simplement pas vu, hein, c'est possible. Mais voilà, toutes les boutiques sont bien. Je ne suis pas commissionnée pour vous le dire. Hein, mais je veux dire, toutes, que ce soit Univers Broderie, voilà, toutes celles que j'ai pu essayer à date sont toutes géniales. Mais voilà, celle-ci, elle vous donne la liste du matériel. Et donc, je me suis dit, puisque avant, je fonctionnais comme ça, j'achetais le patron. Une fois que j'avais le patron, Non, tu peux passer, mon cœur, tu peux passer. Et une fois que j'avais le patron, j'attendais pour acheter la liste des fils, puisque vous avez la liste du matériel. Sauf que là, ils vous la mettent, la liste. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir le patron. Vous pouvez tout acheter en un coup. Donc, j'ai acheté les fils qui sont préconisés. Donc, je leur ai laissé mettre ça dans mon panier. Vous pouvez tout mettre dans le panier d'un coup. Et ça, c'est drôlement pratique. Donc, j'ai commandé les fils pour réaliser cette broderie. Je ne vais pas tout vous montrer d'un coup parce que sinon, ça va être beaucoup. Hop. Voilà. Petit fil un petit peu, vous voyez, dans les tons d'automne. S'ajoute certainement, alors est-ce que c'est lui? Oui, il me semble que c'est lui, ou je me trompe peut-être. Bon, j'ai commandé aussi du fil pour faire
une des broderies, vous savez, celle qui est poire et romarin. Il y a le violet et le vert de DMC. Et il y a ces petites couleurs ici. Vous voyez, on reste encore une fois dans les tons très, très, très automnaux. Et pourtant, c'est marrant parce que quand on voit le modèle, ça fait un modèle estival. Comme quoi, hein, jouer avec les couleurs, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, ça, c'est les petites choses que j'ai reçues à faire de Casa Cennina. Donc, collection de fils qui grandit et bien sûr, collection de broderies. En granit, donc j'arrive à la fin, je vais vous faire un petit tour de cette couverture et je vous laisse là-dessus. Je vous retrouve pour le gros podcast à la fin du mois, au maximum début septembre. Je fais tout mon possible, mais vous savez, des fois il y a des imprévus. Et on se retrouve bientôt. Et en attendant, passez une belle fin d'été. Je vous embrasse et je vous dis profitez. J'étais partie pour m'installer pour vous montrer la couverture, sauf que je sais pas si vous le voyez à l'écran. La très bonne idée du jour, c'est d'avoir mis une nappe blanche avec des fleurs. Enfin, j'avais coupé des fleurs qui étaient tombées au sol. Je trouve dommage de les perdre et de les laisser pourrir sur place. Donc, je les ai mises dans une vieille carafe de grand-père, comme diraient mes enfants. Et le problème, c'est qu'il y a plein de pollen. Ah bah, vous voyez, plein de pollen sur la nappe. Alors, c'est sûr que les petites butineuses et petits butineurs viennent. Alors je sais pas si c'est eux qu'on a mis partout, mais bon voilà quoi. Donc du coup j'ai peur de tacher ma couverture, je vais mettre sur le coin, essayer de faire ça comme ça. Il va y avoir du lavage dans l'air, et donc je vous montre. Alors, j'ai attaqué une autre couleur pour la bordure, je vais vous la déplier au complet. Vous voyez bien un petit peu la taille que ça lui donne. Donc, vous voyez, j'ai commencé par les couleurs les plus vives. Puis on s'en va vers la couleur plus pâle, le rose, le bleu, le foncé. Et là, je suis un peu dans le gris beige. Franchement, j'aime énormément l'effet que ça donne. Donc là, je suis dans le gris beige. Je viens de sortir donc cette couleur-là. Et clairement, il me reste 4 couleurs dans mon paquet. Donc, il me reste un beige. Un peu plus pâle. Je vais vous les mettre l'un à côté de l'autre. That's not food. No, Chuck.
That's not food, that's yarn. Bon, lui, dès qu'il y a un paquet, il croit que c'est de la nourriture. Donc, il a rappliqué comme c'est pas possible en courant. Hein? Qu'est-ce que tu crois? Voilà, bon, il fait pitié parce qu'il est en train de muer. Alors, le pot, il y a des poils partout. Donc, il me reste du beige, du couleur crème un peu plus foncé, crème claire, je dirais plutôt ivoire, et le blanc blanc. Donc, mon idée, c'est de continuer avec les couleurs. Donc là, je vais faire plusieurs tours du beige foncé, beige un peu gris. Ensuite, je rajoute les autres couleurs. Et avec le blanc, je vais faire autour une bordure vraiment arrondie pour faire vraiment un peu comme la dentelle. Ça, c'est mon idée. Donc là, voyez ce que ça donne. C'est une jolie, jolie couverture quand même. J'aime beaucoup. Le fait que les couleurs se suivent, et c'est marrant parce que quand elles se suivent dans le paquet, vous voyez vraiment une suite logique. Elles sont bien, bien arrangées dans le paquet en fait. Quand vous les crochetez ensemble, en fait vous vous rendez compte que ça fait quand même une sacrée transition. Hein. On passe vraiment du foncé un peu plus pâle. Mais bon, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant et j'aime beaucoup. Je trouve que c'est sympa, ça change un petit peu. Donc j'ai hâte de la terminer, ça vous verrez ça dans le podcast de la fin du mois. Enfin, j'espère que j'aurai réussi à terminer. Normalement ça devrait puisque quand on regarde bien, plus on agrandit la couverture et moins on a de tours en couleur puisque ça prend plus de laine hein, évidemment. Donc pour la même quantité de la balle, vous voyez que les couleurs diminuent, c'est intéressant. C'est un petit arc-en-ciel sympa. Donc là, normalement, je devrais finir. Il me reste encore, allez, trois couleurs et demie, puisque j'ai déjà commencé, trois couleurs et demie à faire. Et puis la bordure en dentelle. C'est pas mal. Donc voilà, ça c'est le projet qui me reste à faire ces derniers jours. Et puis, je vous laisse là-dessus. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.